Si vous voulez acheter des items Rocket League, n'hésitez pas à visiter Huawei.com, le lien est dans la description. Eh bien bonjour à tous et à toutes les snipers, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rocket League avec Nilou, bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui on va faire un pack opening de 20 caisses overdrive, c'est parti. Donc c'est parti, on commence par quelle caisse? Enfin par laquelle, moi je vais prendre la deuxième de ma série. D'accord, bah écoutez, on va prendre la... je sais pas laquelle j'ai pris, mais on va dire qu'elle va porter chance. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce que t'aimerais bien dedans? Alors, j'aimerais bien un feu de l'enfer. Parce que évidemment on n'a pas passé notre jeu en anglais, mais écoute, voilà. Ah ouais, c'est feu de l'enfer en français, parce que moi je l'en anglais le jeu. Hein. Ouais, moi je l'ai sur PS4, mais enfin bref, on s'en bat les couilles. Non, après les voitures, pas grand chose, je m'en fous. À part une goal explosion. Animus, je l'ai, je veux bien, enfin je mets une des deux caisses, ça va. Après les roues stylées, la turbine VGP. Et après bien sûr les petits mystères desquels, et après pour le reste on va les couilles. Mais franchement, si on a une petite caisse, explosion, que je dis, une explosion mec, ce serait vraiment stylé. Franchement, si je fais le top, je fais Hellfire, après c'est Electroshock, après Sub-Zero, après Firework. Bon, tu sais quoi, on a les mêmes goûts. Eh bien, on rien à foutre, c'est parti. T'es prêt ou pas? Genre, fais Yusuke et on fait le yes en même temps, enfin le oui en même ouais. temps. 3, 2, 1, c'est parti. Attends, quand même, en 20 caisses, j'espère qu'on va avoir un mystère quand même. Oui, si, on... Quand même. Si on a un peu dans la merde. Tu sais que ça fait 20 openings que j'ai pas eu de mystère. Oh bah, écoute-moi. Oh, j'ai failli avoir un Sub-Zero, le mystère, l'explosion, j'ai failli l'avoir à juste en dessous. Ok, personnellement on part sur une petite Animus, bon pas ouf mais ça passe. Quoi? Ça va, attends, elle vaut 3-4 clés mec. Ah oui ouais, en fait non ça passe. Ça passe crème de ouf. On rappelle que je dois une Sentio à Gap hein, quand même, d'un pari dégueulasse. Moi je commence par une vieux traînée blazer là, tu sais truc là, quand t'es en mode turbo là, putain, moi c'est pas... Flamboyant. Ah. Bon, vous êtes chaud? Enfin t'es chaud plutôt? Yep. Deuxième caisse. Est-ce que vous êtes prêts? 3. 2, 1, on est parti. Ça va tellement avoir le Hellfire là. Effectivement. Effectivement. Bon, oh, elle vient de passer, elle vient de passer. Et moi j'ai collé. Oh mon dieu, circuit imprimé, no freaking way. Oh mon dieu, light speed. Moi je collectionne les traînées mec. Allez hop. Ça c'est fait. Il manque plus que la friction et on est bon. Putain, j'ai vu le Hellfire passer là, il m'a effleuré. Deux fois. Tellement stylé. Oh. Bon, laisse-moi digérer un petit peu. Bon, t'es prêt? Allez, je te laisse faire le compte à rebours. 3, 2, 1. 1, 3, let's go, bismillah. Ok. Allez. Putain, ta gueule. Il lance sa musique et c'est un magic missile qui vient de passer et c'est le cas. Et bah écoute, Endo éclaboussure. Endo? Non, Endo éclaboussure, genre Splatter en anglais je crois. Ah mais c'est un... Ok, je trouve que t'as bien Endo, je t'avoue être. J'ai pas bien compris là ce qui se passait. Ok, bon, il n'en reste plus que 7, c'est insane. Allez, électrochoc. Ah. Oh, c'est tellement stylé. Ok, 3. 2. 1. Allez, allez. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va pas du tout chater, mais... en général, au début du jeu, je chatais comme un gros porc, maintenant j'ai zéro chat dans ce jeu. Et... c'est un deuxième une deuxième SLK, hein. On collectionne impeccable. Et c'est un missile magique pain, personnellement. Ah ouais, c'est quoi? Pain quoi? Pain rose je pense. Oh là là, ce château. Et ouais, effectivement. Moi je collectionne. Oh, j'ai que du violet de merde depuis tout à l'heure. Oh là là, le mec il a eu Animus, il se met bien là. Putain, si je lui ai filé des caisses, c'est lui qui se met bien quoi. Quel fils de chien. Il manque plus que là, tu vois la petite goal explosion pour la souris sur le gâteau hein, totalement. Non mais c'est moi qui vais l'avoir. Non je rigole. En catégorie, calmez-vous, je rigole. Donnez-le moi SVP. Vas-y, compte à rebours, fais-le. Eh ben écoute, 3, 2, 1, let's go. Allez, encore un petit truc lourd. Enfin, je ne dirais pas non. Comme des petites SLK, hein, c'est... Oh, il y a le Fire qui vient de passer. Et c'est le Blazer, encore une fois.
Bloc brillant. Oh mon dieu. C'est quoi ça? Putain, il est lourd. C'est Glossy Block, je crois. Ah, j'ai cru que c'était explosion électrochoc en français. Tu m'as fait gaffeur. Putain, j'étais là, oh le fils de la fête. Non, par contre, les noms en français sont vraiment tout pétés, hein, c'est ouf. Par contre, je me rends compte que j'ai zéro clé, du coup, c'est honteux. Ok, t'es prêt? Bah, j'ai pas de clé, en fait. T'as plus de clé, là? Oui, j'ai plus de clé. Oh, la grosse merde, t'en manques 5, non? Ouais. Non, regardez, deux. Bouh! Cracher okay, dessus. Le char qui est obligé de se faire prêter des clés, quand même. Ça, on fout, ça vaut 5 clés. Moi, je dis, ça vaut l'animus. Non, je te filerai tes petits 5 euros PayPal, mon petit sniper. Ouais, t'inquiète. Mm-hmm. Bon, dis-moi quand t'es prêt. Et bah écoute, là, je... Allez, vas-y, fais compte à rebours. 3, 2, 1. Allez, une gueule explosion. Mais en vrai, normalement, d'avoir plus de chances de drop un mystery que sur une caisse basique, parce que là, il y en a 4 mystery, alors d'habitude, il y en a que 2. Lone Wolf. Faut que drop pas mal de mystery dans... Genre là, par exemple, je prends la caisse 2, il y a 4 mystery par exemple. De toutes les drops. Donc au final, c'est la même chose, sauf qu'ils les ont juste montré cette fois. Bon. Enfin, je sais pas si t'as compris, c'était complètement n'importe quoi, mais moi je me suis coupé dans ma tête. Ok, point. Alors vas-y, du coup, prochaine caisse, c'est parti. 3, 2, 1. Vu qu'il y a des feintes. Oh là, j'ai vu une explosion qui vient de passer là. Moi aussi. Oh, le glossy block qui régale. Pointillé. Pourquoi je passe mon genre d'anglais, c'est incroyable. C'est extrêmement... Mais c'est stylé en vrai le glossy block. Attends, je l'équipe de suite en vrai, c'est grave stylé. Ouais, j'avoue qu'il est pas mal. Genre, putain. C'est le meilleur des... Je sais pas comment il s'appelle ces merdes là. Bah écoute, on joue avec le glossy block maintenant. C'est parti. Maintenant, les trois dernières caisses, vas-y, fais le compte. On fait un chiffre chacun. 3. 2. 1. Go. Vas-y. D'avoir un bon truc quand même. Sinon on est un peu enculé là. Ouais, oh, Hellfire, j'ai Hellfire. Oh my god. Oh my god. Oh la Hellfire. Holy shit. Oh Psyonix. Qu'est-ce qui vient de se passer? Le mec qui disait quand même ouais bon t'as chaté mais j'aurais quand même la goal explosive. On l'appelle également Akinator. Il prédit l'avenir. Est-ce que je serais pas leur fils de pute? Oui. En fait, en vrai non, parce que je vais t'avouer, le chiffre d'affaires de Rocket League, c'est moi les 3/4 en fait. Genre un peu, genre j'ai fait 600 openings, il y a eu les deux premiers, j'ai eu des mystéries, après j'ai plus jamais rien eu. Donc on va dire que je me suis fait assez douiller. Mais franchement, je l'ai vu arriver le Hellfire, franchement, go explosion et en plus j'ai eu le meilleur possible. Oh là là. Ah oui. Oh ça fait marché plaisir. Noir explosion de but, feu de l'enfer. En français c'est tellement dégueulasse. Oh là là, je suis tellement content. Il est où? Il est là. Fire, bonjour. Bah, du coup il est tout content. On peut même pas les trade les Hellfire je crois. Hein? On peut pas les trade les gueules explosions quand tu les gagnes dans un coffre. Si. Bah si. Pourquoi ils me disent... Ah non je sais pas. Ah non j'aurais dit je suis con, je peux pas les trade de merde. Oui, c'est... Oh ça fait tellement plaisir. Bon, c'est con, on va l'équiper de suite. Maladie en retour, oui. Non c'est pas là. Garage, qui c'est musical. Hop, l'explosion, Hellfire. Oh yes. Bon, c'est toi qui gagne, hein, donc, là clairement. Là oui, mais est-ce qu'on n'aurait pas rentabilisé l'opening déjà? Oui, déjà on peut le dire. Déjà c'est rentabilisé. Il reste quand même 4 caisses au total. Donc si on en a un petit deuxième, voilà. Il reste 2 caisses là. Ouais, ouais, enfin oui, mais toi il m'en reste 2 et toi aussi, du coup ça fait 4. Ah. Et oui. Vas-y, t'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, go. Je suis quand même un lourd connard quand même. Hein. Le Hellfire tombe comme ça. Ça aurait pu être autre chose. Hein. Ça aurait pu être un des trois autres, mais non. On tombe. Bon, si j'en ai un deuxième, je crois que je débranche le PC en live. Eh bien non. Et c'est un deuxième circuit imprimé. Circuit imprimé aussi à l'instant. Hein. Waouh. C'est... On est synchro totalement, on est connecté. Ouais. J'avoue c'est... que... Ce qui est bien dans le jeu, tu vois, ils mettent rare, mais c'est pas du tout rare, tout le monde l'a.
ça tue. Alors, l'ultime, la dernière. La sainte caisse. La sainte caisse. Est-ce que tu es prêt? Oui. 3. 2. 1. Go. Je ferme les yeux pour celle-là. Bah, la même, c'est la même, la même, la même. Et c'est un siècle imprimé. Je sens le truc bien dégueulasse. Je sens la grosse douille arriver là. C'est le dernier en général, c'est pourri. Et c'était un magique missile encore une fois. Et c'est un friction. Ah, je l'avais pas su, j'avais mis les trois. Mais un deuxième magique missile. Oh, mais c'est quoi ça? Sérieux? Vas-y, ah, si, si, pas un quoi, pas un quoi. Attends, on va voir ça tout de suite. Dis-moi le ciel. Dis-moi les couleurs, on va les regarder un petit peu. On va aller voir un petit peu les prix, pour voir si... mec, il est toujours avec l'argenté. On va voir si on rentabilise. On va voir si on rentabilise, non. On pourra non, après. Parce que... Ouais, voir combien ça coûte, hein, Magic Missile Pain, j'ai jamais su en vérité. Bah, j'en ai un rose et un bleu ciel. Avec ma 3G free. Ouais. Attention, je suis payé pour ça. Non, je sais pas si du coup j'ai rentabilisé les 10 balles. Telle est la question. Ah, moi oui. Mais toi, déjà que ton Animus, t'inquiète que t'es déjà que ton Animus, déjà. Alors, Rocket Price, pour en être la base, hein, je pense que les gars, vous connaissez. Alors, on a dit un... pas un quoi, t'as dit, t'as un rose et un quoi, Magic Missile? Sky Blue. D'accord, intéressant. Donc le Sky Blue, Magic Missile, hop, il se situe juste ici. Donc, Sky Blue, il vaut 4 à 6 clés. Oh, ça va. Et rose, pink, 3 à 5 clés. Mais mec, t'es capable de rentabiliser? Bah, plus l'Animus qui vaut 3 à 4. Là, tu t'es fait 13 clés toi là dans le truc là, 12 clés. Ouais bah j'ai gagné 2-3 euros. Donc ça, ça. Et moi j'ai gagné 30 euros. Sérieux attends. Mais il vaut, Hellfire je crois qu'il vaut 30 clés, une connerie, ou 35 clés je crois. 37-41, mec t'es un putain de fils de pute, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Mec t'as carrément quoi doubler le truc là, écoute. Pas de soucis, et j'ai un friction certifié aussi. J'ai collectionné toutes les traînées, c'est ça vraiment sympa. Oh, oh. Ah bah tu peux faire un trade-up je crois. Je sais pas combien t'en as mais peut-être. Ouais je peux trade-up, attention, pour avoir un Magic Missile, un Animus ou une Sentio. Attends, je peux faire trade les SLK, parce que les SLK ça pue le caca. Ça je le garde. Voilà. 3, 2, 1. Sentio V17 que je n'avais pas, impeccable, je la ferai gagner dans un giveaway. Voilà, on a toutes les voitures, j'ai l'Animus, j'ai la Sentio et on a le Hellfire. C'est quoi, juste pour le plaisir, on va aller dans le training. Oh là là, je me sens bien. Il va tester son petit Hellfire, évidemment. Attention. Oh. C'est tellement joli. Oh, je kiffe tellement. Oh, je fais de la merde dans mon arène. Oh, c'est tellement stylé. J'aime. Oui, je pense qu'ils sont quand même plutôt... Bon. Plutôt nice. Je vois si on peut trade up ce qu'on a fait, enfin tu sais, les trucs de merde, les trucs rares là. Enfin même pas, les autocollants là. Circuit imprimé. Ah, ouais. Ah non, même moi, pas. Moi je l'ai fait, j'ai eu un vieux light speed, donc j'ai un peu le seum. Je vois. Bon, bah c'était un opening... Putain, là, en vrai il était hyper bien en vrai comme opening. Oh putain. Putain. Non mais en vrai, quand on y pense, en 20 caisses, choper un Hellfire avec 2 Magic Missile peints, une Sentio V17 parce que j'ai les trade-up, hein, je te rappelle, une Sentio et une Animus, putain, on est rentable là. Ouais, je pense qu'il y a facile un bénéfice de, quoi, aller 40 balles, je pense. Ah oui, de ouf. Donc ça va. Prendre le Hellfire, je vais le garder par contre, hein, parce que comme je marque souvent des buts, bien. Non mais tu vois, franchement c'est cool. Bon, eh bien, je vais faire l'outro, vas-y. Eh bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Tu as bugué, hein, on n'a pas entendu. Super. Donc je disais, n'hésitez pas à liker, faites ce que vous voulez, vous abonner, vous lâcher un petit commentaire, vous abonner à la chaîne de Sniper Rail, parce que voilà, quand même. Parce que quand même, voilà. Parce que voilà, il m'a passé du overdrive, donc quand même, ouais. Voilà. Donc écoutez, moi j'ai que ça qu'à dire. Et... Voilà, merci à tous, et puis ciao. Au revoir.